dans la soirée. C'est yes. Ça, c'est ça. On en parlera un peu plus tard. Et puis après, bah voilà, hein, Tiger, hein, tout, bonsoir yes. à toi. Ben bonsoir, je vais présenter l'équipe. Merci à toi de nous recevoir. Avec grand plaisir. Je m'appelle Tiger et je suis là pour représenter le duo avec Papy The Crow sur l'album Terminus Babylon. Oui, cool. Et en parlant sur Babylus Babylon, tout en bas, vous voyez les jaquettes. Donc la jaquette principale et les titres qui sont derrière. Et je rappelle que Tiger, en fait, voilà, il va faire offrir 3 albums, c'est bien ça, hein? Ouais, avec Papy, on a dit on met 3 albums à offrir aux voilà. auditeurs. L'album, il sort le 4 novembre. Il n'est pas sorti encore, c'est que de l'exclu. Oui, donc vous l'aurez en exclusivité. C'est cool, merci à yeah. tous. Et en CD, comme ça, si vous n'avez pas de poste, vous êtes trop obligé d'en trouver un. Hein. Vous êtes en galère, juste pour écouter. Ouais, une vieille chenifi, je pense que tout le monde a ça chez lui. Voilà, voilà. Une console, une Xbox, une PS4. Ouais, c'est ça, carrément. Une console, même l'ori. Même l'ordi. Même l'ordi, ouais, un carrément. PC, vous le rentrez dans le PC. Enfin, ouais, faut que le PC, il ait l'âge. Requis. L'âge de Papy. C'est ça? Enfoiré, il l'a osé. Ça commence bien, je sens cette émission. Tu n'as pas osé le dire, mais moi j'ai osé. Il a osé. En tout cas, félicitations, parce que pour vous dire Papy, il n'est pas non plus Papy, mais c'est le plus vieux, on va dire, du crew. Et déjà, c'est respectable de faire de la musique, du rap surtout. Et c'est quoi que tu fais exactement et comme musique? Il a 70 ans. Hein. Ben, merci Mika, non, on va dire que je suis le doyen, allez. Voilà, t'es le doyen. Comme le doyen. Ça, voilà. Bon. Mais bon. Non, ben moi, voilà, en fait, truc classique, je rappais avec mes potes, on a commencé les années 90 puisque je suis un vieux. Ah oui. Donc 90, tu sais que c'est ma date de naissance. Moi aussi. Enfin, toi aussi. Les années 90, c'est-à-dire fin 97, je commençais à faire des freestyles comme ça, mais c'était pas sérieux, c'était surtout entre copains pour délirer. Et là, il y a à peu près un an, Tiger Fuckers ici présent. M'a invité sur plusieurs projets, tout ça, pour me remettre un peu le pied à l'étrier. C'est et puis, cool. Du coup, voilà, ça m'a donné envie de repartir dans le son. Et puis, du coup, on est reparti sur Terminus Babylon, qui est un projet qui nous tenait à cœur et qui nous ressemble et qu'on avait envie de partager. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de populaire. C'est pas autant dans les codes actuels du cliché, ouais. du ouais. gars qui réussit avec sa grosse bagnole, truc comme ça. Nous, c'est plus vraiment. Le truc d'avant, ragamuffin galérien, le gars qui sait se débrouiller, quoi. C'est ça, exact. Mais c'est, voilà. ça reste très bien. Attends, tu rigoles, merci, quoi. Merci. J'ai écouté l'album, franchement, il tue. Ben, ah, il tue, vraiment. Moi, j'ai écouté et tout. Parce que moi, j'ai eu le droit de l'avoir bien avant tout le monde, donc c'est cool. J'avoue. Ouais. Mais pour rester un peu sur ce truc de génération, ce qui est intéressant, c'est que Papy et moi, on n'est pas vraiment de la même génération. On a 10 ans à peu près d'écart. Ouais. Mais on se retrouve sur les mêmes goûts musicaux et même. Ça va plus loin humainement et tout, on se retrouve beaucoup. Ça veut dire, moi, quand j'étais petit, que j'ai commencé le rap, j'écoutais les sons de son groupe et je kiffais les sons de son groupe, mais genre comme un auditeur, tu vois. Ah, trop et, bien. Et maintenant, des années après, on se retrouve à faire un album ensemble et ça, c'est beau, tu vois. Ah oui, c'est beau, bien sûr que c'est beau. C'est donc, magnifique, voilà. Même. Et après, ça fait combien d'albums maintenant que tu as sorti? Parce que tu sais, c'est pas le premier que tu m'as dit, hein, on en a discuté. Mais on s'était vu à Radioactive et j'étais exactement. Là pour mon dernier album, j'ai dit qu'il n'y en avait plus. C'est ça, c'est ce que tu m'avais dit. Mais surpris, je m'explique. Déjà, on est deux. Et ouais. Déjà, c'est 9 titres, c'est un EP, tu vois. C'est un EP, ouais, mais bon, un petit EP qui est pas mal quand même. Ouais. Et pour répondre à ta question, bah, du coup, c'est mon 13e projet celui-là. 13e projet. Fait 13 ans. Ah ouais, pas mal. Et yes. Toi, Papy? Ben, moi, en fait, vu que tout ce que j'avais sorti auparavant, c'était, il y avait à l'époque, il n'y avait pas le net. Donc, ouais. On avait très peu de moyens de communication, de distribution aussi, pareil. Ouais. C'était surtout distribué à la sauvage. Ça marchait très bien, de toute façon, dans un sens. Bien sûr. Mais là, donc, ça va être mon. On va dire. Ça va être officiellement mon deuxième projet parce que j'avais sorti un premier EP. Après, la plupart de mes titres qui figurent surtout sur les albums de Tiger Fuckers, les derniers qu'il a fait. Et là, donc. C'est, on va dire que c'est le premier projet qui me tient vraiment à cœur et qui me plaît. Alors j'avais fait un premier projet pour repartir un petit peu avec Soleil 835, ouais. qui a bien marché quand même à ma mesure. Ouais. Et Terminus Babylon, c'est le projet cette fois qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, si on peut parler après de la pochette pour un petit peu approfondir. Bah, carrément, ça, carrément, vas-y. Bah, moi j'avais je pense que ça vient un peu sur ce sujet là. J'avais une question, le nom Terminus Babylon, est-ce que c'est une signification ou pas? En fait, ce qui est trop cool, c'est qu'on a à peu près pas la même interprétation. Donc je vais laisser Papy dire la sienne et je vais dire la mienne après. Ah. Ben, en fait, ma signification à moi, c'est Terminus Babylon, c'est quand on prend un transport, qu'on doit faire une route et qu'on doit arriver quelque part, il y a toujours un terminus, un lieu où ça s'arrête. C'est ça. Et ben nous, on a choisi Babylone parce que c'est l'endroit où, actuellement, on va dire, je compare ça à l'Europe, où tout va mal,
Donc c'est là où tout s'arrête et là où se livre en, la grande bataille, le désarroi, la misère des gens. Donc c'est, tout le monde va arriver là. Au final, c'est le terminus, c'est Babylone, quoi. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est une belle histoire. C'est une destination, en fait. C'est une destination, d'accord. C'est bien. J'espère que c'est pas la destination finale non plus. Si. Ça, l'avenir nous le dira. Bah oui, y a pas de raison. Et en fait, je suis total d'accord avec sa version. Hein. Mais moi, pour ma part, ça me fait penser à Babylone. C'est souvent représenté comme tout ce qui est justice, tout ce qui est droit, tout ce qui est loi, etc. Et comme Terminus, c'est terminé, quoi. C'est la dernière. C'est fini. Il y a plus de Babylone. Maintenant, c'est le peuple qui fait les règles. Bien sûr. Ça me fait un peu penser à ça. Yes. D'accord. Donc d'accord. C'est la confrontation et la réflexion. D'accord. Ouais, c'est travaillé, c'est bien pensé et c'est tout imaginé. C'est bien, franchement, bravo les gars. Bravo à vous. Merci. Alors, il y a une petite question pour vous. C'est quoi comme musique que vous sortez en fait ? Quel genre, quel univers ? C'est plutôt en reggae, dancehall, chata. Mais on va dire que c'est du moderne dancehall. Ça veut dire qu'on a pris, nous on adore la culture caribéenne, jamaïcaine, etc. Papy il adore les morceaux reggae, roots, dub. Moi je suis beaucoup sur le dancehall. On a essayé de mélanger tout ça, de faire à notre sauce. On a voulu faire un album de bonne vibe donc, et de fête qui peut t'emmener à faire la fête. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est super. Et c'est aussi classe. Un petit peu expérimental. Ouais. Parce que on savait pas trop dans quelle catégorie se classer avec cet album. Bon, quand même, c'est dans la catégorie urbaine, hip-hop, reggae, dancehall, tout ça. Bien sûr. Je suis moins pour le fait de d'utiliser le terme chataz. Moi aussi. Mais chataz, ça correspond à quoi? Chataz, ça correspond au nouveau dancehall, nouveau mode musical, style musical qui est en ce moment en Jamaïque. D'accord, voilà, c'est un truc qui est en train de percer, quoi. Voilà, la Jamaïque vit au rythme de mode qui dure peut-être des fois une semaine, qui vont exploser, qui vont s'arrêter d'un coup. Ah ouais. Voilà, là en ce moment, le chataz, bah, y a pas mal d'artistes qui remettent ça au goût du jour. C'est pas mal. Mais moi, je pense que c'est plus quelque chose qui nous ressemble. D'accord. Plutôt du New Roots expérimental pour moi. Ça, c'est très bien dit, ça. Ouais, grave, bien. Il n'y a pas joué. De catégorie iTunes, mais il faudrait la créer. C'est du New Roots expérimental. Et, bah tiens, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. iTunes, ton album est disponible sur quelle plateforme? C'est que en physique pour l'instant ou tu as des plateformes dispo, en fait, genre Deezer, tout ça? Là, il est en physique parce que, pour t'expliquer la petite histoire, on a eu quelques galères au niveau des clips. D'habitude, on sort des clips avant et tout. Ouais. Là, on n'a pas pu annoncer parce qu'on veut bien prendre notre temps pour faire des beaux visuel, bien sûr. La raison pour laquelle on clippait aussi aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, on s'est dit on va faire la promo sur le terrain. On a une release qui arrive le 4 novembre. D'accord. Et le 4 novembre, l'album il sera dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, etc. Même TikTok et tout. Et mais entre temps, on aimerait le distribuer sur le terrain. On aimerait que les gens ils reprennent goût au CD et qu'ils l'écoutent, même sans clip, sans rien. Tu veux faire comme à la génération de papy, alors tu veux revenir un peu à l'époque, bah oui, un peu à l'ancienne sûr. Génération. Mais c'est bien ça. Bien sûr. C'est bien, mais tout le monde a un lecteur CD chez soi, c'est obligé. Tout le monde a une console en de fait, jeu. Donc si, on peut écouter. Si quelqu'un. Tu peux te débrouiller à l'écouter. Si t'as vraiment envie d'écouter cet album, tu vas aller trouver quelque chose pour l'écouter. Bah oui, c'est ça qui est beau. Tu vas avoir un papy, mamie, t'as pas un album, t'as pas un acteur CD. Et en plus, on s'est dit que si d'un coup il y avait une panne mondiale générale d'internet, l'album serait quand même disponible le jour de la sortie. Exactement. Et voilà. Et moi, s'il y a une panne mondiale d'internet, je suis mort. Bon, bah, on va pas espérer pour pas que ça arrive. Ah non, faut pas. Mais moi, hein, j'ai une question. Surtout pas. Parce que vous parlez d'expérimentation. Est-ce que vous avez expérimenté un peu d'autres styles musicaux ou pas? En fait, si je peux, pour rap. Tout à fait. Tu vois, le morceau qui tourne derrière, je vais faire un big up à Lil Ja. Parce qu'on a taffé avec des beatmakers. Et Lil Ja, pour le coup, c'est un mec qui produit beaucoup de la trap et tout. Et là, tu vois, il a produit un track reggae. Mais c'est ça qui est expérimental, c'est qu'un mec qui n'écoute pas spécialement de musique reggae roots nous a sorti ce morceau-là. On voit ça comme un reggae, donc un style à l'ancienne, mais c'est des éléments nouveaux, c'est des 808, pour parler un peu technique, c'est des éléments trap, c'est des éléments nouveaux. C'est ça qui fait pour moi l'expérience de certains morceaux. Ouais, Steppers, ils travaillent pareil aussi, ils mélangent pas mal de délire. Voilà. Ouais, c'était un peu nouveau pour tout le monde dans cet album. Parce que... Le beatmaker Steppers, qui n'avait jamais bossé avec moi auparavant, peut-être avec Tiger. Ouais, vite fait, encore, c'était en 2016, donc ça faisait un moment qu'on s'était... Donc voilà, et lui aussi, il s'est confronté à un nouveau style, peut-être qu'il n'avait pas trop entendu auparavant, dans le fait de certaines peut-être tonalités, ou je sais pas, mais c'est... De toute façon, tout le monde s'est mis dans quelque chose de nouveau. Autant pour Lil Ja, qui fait de la trap et qui s'est mis à nous faire des instrus New Roots. Donc ça nous a énormément plu, le fait que tout le monde change un peu ses habitudes et... Terminus Babylone est né comme ça, quoi. C'est classe. D'accord. Super histoire. Et j'avais une autre question. Dans ce
cet album, est-ce qu'il y a une musique en particulier qui vous touche ou pas, que vous avez fait vraiment pour ma part, moi c'est le pour ma part c'est le track 4. Justice sera faite. Il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. C'est le fait de la justice en fait. D'accord. Et cette musique, elle a une signification ou pas? Justice sera faite. Ouais. Oui. En fait, elle a pas vraiment une signification, mais elle a surtout un message. D'accord. C'est quoi le message? Alors le message, c'est le milieu, un petit peu le milieu, on va dire pas carcéral, mais le milieu juridique. Où on voit des hommes et des femmes qui passent tous les jours et qui font face à leurs démons. Et nous, on les invite dans ce son à leur dire tenez bon, parce que ça peut changer un jour, peut-être voilà, qu'il va se passer quelque chose pour que la tendance s'inverse et que, qui sait, peut-être un jour, ceux qui sont vraiment coupables de crimes comme le gouvernement et tout, ce sera eux qui seront enfermés. Voilà, justice sera faite, c'est ça. Écoutez, et moi, le numéro 4. Pour ma part, c'est la 6. Ouais, c'est Trophée. J'adore ce morceau parce que c'est un morceau de, comment on appelle ça, de détermination. Dit que c'est simple, le message est simple, hein, il faut pas lâcher, il faut croire en ses objectifs et aller faire ça par passion, pas pour les trophées, c'est ça qu'on dit dans le refrain. Bien sûr, ouais. Et j'avais rarement fait de morceaux comme ça, celui-là je le trouve réussi, la prod à Steppers, c'est n'importe quoi. Enfin, en mode, elle est incroyable. Ouais. Et j'adore ce son. Super, tu veux qu'on le passe en direct pour que tout le monde l'entende? Justice, un des deux Justice, il serait plus intéressant pour en fait nous présenter pour voilà. En fait, Justice, on va dire que c'est un morceau très expérimental. D'accord. Et je préférerais qu'on passe Justice et qu'après on passe Trophée, il est un peu plus hit. Il est un peu plus hit Trophée. Je préférerais qu'on entame sur du Roots, comme ça les gens savent au moins à qui ils ont affaire. Super, voilà, écoutez. Et puis Justice, c'est un morceau qu'on a fait tout en sachant pas très bien la réaction que vont avoir le public et les auditeurs. C'est expérimental. Bah, donc, let's go. Allez, c'est parti. Yes, I am. No hypocrite, no police zone. Ouais, good boy. Esquive les. Tu peux fermer la fenêtre un peu, je pourrais cigaler tes couilles. Goodbye, cours vite pour pas qu'il te rattrape. Goodbye, purge ta peine. Justice sera faite. Goodbye, cours vite pour pas qu'il te rattrape sans. Justice sera faite. Purge ta peine. Pour la justice, on veut la justice. Prie pour la justice, on veut la justice. Prie pour la justice, on veut la justice. Prie pour la justice. On porte le poids de nos erreurs sur le dos comme châtiment. Avocat général et le procureur. Toi qui cherches à fuir le bourreau, la condamnation. Justice. Balambaling, justice, balambaling. Je vois ce pauvre bougre assis en pleine chaleur devant le tribunal. Il passe en correctionnel. Balambaling. Tu sais qu'il a pas d'alibi. Balambaling. Il en a peut-être pour la vie. Balambaling. Libérez-moi tous les détenus. Libérez les prisonniers. Libérez-moi tous les détenus. Libérer les détenus. Justice sera faite. Justice sera faite. Justice sera faite. Justice sera faite. On veut la justice. Prie pour la justice. On va enfermer ces enfoirés de politiciens pour de vrai. Ouais, justice sera faite. Toi qui cherches à fuir le bourreau, la condamnation, justice sera faite. Oh, Babylone, Babylone, Babylone. La justice. Dope style.
Babylone, nos polices, on est plus serein dans la ville. Quand ils sont sur mes côtes et ils me fixent, je peux pas fumer le spliff. Ils m'auraient pas questionné toute la nuit jusqu'à l'aube si j'étais un peu plus riche. Ils m'ont reproché de ne pas respecter les codes. Le shérif a gardé mon chien. Le riche se lève et crie, le pauvre s'assoit et rit. L'avocat général, le procureur. L'homme riche se lève et se met à crier. Oh, yeah, yeah, yeah. Commet une injustice. Balambalek. Le pauvre offensé se tait, balambalek. Puis se met à crier. Oh yeah, balambalek, balambalek. Oh yes. Balambalek, la justice nous balaye devant la correctionnelle. Oh non. Justice sera faite. Justice, justice, justice sera faite. Justice sera faite. Pour la justice. On va enfermer ces enfoirés de politiciens pour de vrai, ouais. Justice sera faite. Aïe, à toi qui cherches à fuir le bourreau, la condamnation, ouais. Justice sera faite. C'est ce qu'on veut, man, la justice, maintenant et tout de suite. C'est ce qu'on veut, man, la justice, maintenant et tout de suite. Justice! Yes, I, justice sur la fête. C'était sympa, franchement, bravo. Il est excellent le merci. Son. Alors désolé hein, pour les petits bugs techniques, hein, on est en plein milieu d'une ville, il y a la 5G, elle est pas terrible, terrible, 4G aussi. La 5G sur mer. Donc ouais. Voilà, désolé pour la qualité. Voilà. Voilà ouais. N'oubliez pas, c'est disponible le 4 novembre, l'album. Ouais. Déjà disponible en CD le 4 novembre sur toutes les plateformes. Voilà, c'est all ça. Alright, alright. Donc là, ben, on va un peu parler de ta jaquette. Ouais. Bah ouais, c'est yes. Ça. Voilà, est-ce que tu peux expliquer ? Papy, il a eu beaucoup d'idées. Après, on va parler avec lui qui a fait la jaquette qui s'appelle Jack Space. Donc je laisse Papy expliquer et après, je laisserai Jack dire un mot. Allez, c'est pas un problème. Okay. Alors, ce qui concerne la couverture. Alors là, waouh, on va rentrer un peu dans le milieu un peu plus ésotérique peut-être. Ça tombe bien parce qu'on est en période d'Halloween, tu vois. Ah. Donc, les fantômes, gare à vous, les entités et les démons. Alors, nous, on avait décidé, enfin, c'était un peu une bonne idée. Bon, moi, j'adore l'Égypte, tout vient d'Égypte. Ouais. Et j'ai eu l'idée de mettre les clés de vie, ce qu'on appelle l'ank, sont les clés de vie. Alors, ce n'est rien de religieux. C'est plutôt mystique, spirituel, voire même ésotérique. Et ça constitue une protection. Donc moi, je vous invite à voir qu'est-ce que c'est l'ankh, la clé de vie égyptienne. N'oubliez pas ça. J'ai décidé de mettre ça pour justement contrecarrer un peu ce qui se passe en ce moment, ce qu'on voit dans le monde de la musique, l'industrie. Moi, je veux contrecarrer ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans ce mood. Donc, les oiseaux, la chouette pour représenter l'animal. Pardon. Excuse-moi, le hibou pour représenter le personnage de Tiger Fuckers, c'est mon animal préféré, qui est son emblème aussi. Ouais. Et moi, le corbeau, bon, papy The Crow, le corbeau, à savoir que The Crow, c'est parce que j'adorais le film The Crow avec Brandon Lee. Ah, The Crow. J'étais fan, donc ça vient de là, The Crow, effectivement. J'adorais ce justicier un peu dark. Ah, oui. Et donc voilà, donc sur les enceintes qui représentent la musique. Et le chat, le chat c'est un animal qui ressent beaucoup les vibes ésotériques. Et hop, il est électrifié par ça. Et il ressent qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce monde démoniaque. Voilà c'est quoi pour moi, pour ma part. Je suis totalement d'accord avec Papy, c'est comme ça qu'on l'a vu. Mais ouais. C'est Papy qui a donné les... Nickel, moi nickel. Je voulais juste qu'on ait nos emblèmes et l'emblème du Sound System. Et Papy a brodé avec le reste. Ah mais est-ce qu'on peut laisser la parole à Jack Space s'il veut nous parler un peu ? Avec plaisir, bien évidemment. À toi, Jack Space. Donc je rappelle, hein, Jack Space, c'est lui en fait qui a créé la jaquette. Donc il va nous expliquer un peu comment il a fait ça. Bah, écoute, Jack Space, bonjour à toi. Et bonjour. Salut. Ça va ? Ça va, tranquille. Ouais. Donc toi, tu fais de la musique quelque chose ou pas du tout ? Je fais de la musique aussi. Je fais des covers, de la musique. D'accord, d'accord. Je fais les deux. Ça fait combien d'années que tu fais ça ? Là, ça va faire 2 ans presque. Ah oui, bien. Voilà. 2 ans. Félicitations, c'est cool. D'accord. C'est cool. Et c'est quoi ton nom de scène ? C'est Jack Space. Jack Space. T'es sur quelle plateforme ? Sur toutes les plateformes. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, n'hésitez pas à écouter Jack Space. Ouais, c'est quoi comme style de musique que tu fais ? C'est du rap un peu comme eux ? Du rap, ouais. Du rap, plus du rap, toi. Ouais. D'accord. Bah, c'est cool. Bah, écoute, on va te laisser parler alors par rapport à la jaquette. Bah, alors, la jaquette, j'ai essayé de faire un petit peu, j'ai essayé de suivre un maximum leurs directives. Bien sûr, oui. Vous connaissez. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de modifications à faire quand même. Bah, c'est toujours comme ça au début, c'est jamais précis. Après, voilà.
finalement le résultat il est là et je suis content, hein, je suis content, eux aussi ils ont l'air, donc tant mieux. Oh, la jaquette elle est très propre, très très propre. Bah, merci beaucoup, voilà. Bah, c'est bien, bravo à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et bah écoute, si tu veux peut-être partager des réseaux, choses comme ça, n'hésite pas. Ouais, bah allez suivre Jack Space sur les réseaux, sur Instagram. D'accord. Et allez streamer également si vous le souhaitez. T'as une chaîne YouTube, quelque chose, TikTok? Non. Non, pas encore? Non. Bon. Attends, j'ai une question. Ah. Oui. T'as connu Tiger Fokker sur Fokkers, le Z à la fin. Ouais. Grâce à la musique ou tu le connaissais déjà? Grâce à la musique, je l'ai connu. D'accord. Ouais. Et vous êtes mis en collaboration aussi sur certains clips ou pas? Alors sur les clips, je crois oui. On a travaillé avec Tubeo Prod, c'est la même équipe en fait. Ouais, c'est la même équipe, c'est avec Tubeo toujours. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais te dire encore? Est-ce que toi-même t'as sorti des albums? Pas encore. Pas encore. Bah, tu peux l'annoncer. Ah, bah, si je peux l'annoncer, alors le 28 octobre. 28 octobre. J'annonce celui aussi de mon acolyte Kim Assad. Et qui fait aussi des clips avec Tiger aussi. Ouais, hein, vous êtes tout un petit crew en fait, ouais, qui font aussi ça. Des trucs séparés, tout ça. Ouais, je trouve ça génial, moi. Bah, on espérera te prendre en radio, bah, en ouais. live et j'espère pouvoir aussi faire la promo de ton bah, album. Bah ouais, mais merci grand beaucoup. Plaisir, tous les deux même. Vous venez tous les deux, voilà. Vous présentez votre album avec plaisir. Ça sortira le 28 octobre du coup. Voilà. Super. Super. Et ton collègue, pareil alors aussi. Ouais. Super. Et ton collègue, c'est quoi son blaze? C'est Ekum Assad. Ekum Assad. Massad, ça? D'accord. Ekum Assad, ouais. D'accord, bah écoute, nickel. Bah, je te remercie en tout cas de ton intervention. Et puis bonne continuation hein, pour la suite, tout ça. Ouais, vous aussi, bonne continuation. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, c'est super. Voilà. Big up à Papy et à Tiger. Eh oui, big up, big merci. Up. C'est cool. Force à toi, Jack Space, et merci pour cette magnifique couverture. Ouais, franchement, c'est propre. Du beau boulot. C'est merci. Très, très propre. Yes. Super. Ouais, mais en tout cas, bonjour à tous ceux qui sont sur TikTok. Bonjour à tout le monde. Et j'espère que vous passez un petit moment sympathique à notre compagnie. Bon, je suis désolé, hein, il y a eu certains bugs techniques, mais bon, voilà, hein, on est, c'est encore en cours d'évolution tout ça, donc désolé des bugs. Voilà. Tiger est revenu envers nous. Bah, Tiger, bah voilà. Alors, franchement, propre la cover. Hein. Yes, bah grave en fait. Ah. Jack, on l'a un peu rendu fou. On a fait, je crois, 5 ou 6 versions et. Franchement, on est grave content. Ah. Elle représente exactement ce qu'on voulait et je pense notre musique dans l'album. Mais la couleur au niveau du fond, ça correspond à quoi? Parce que l'Égypte, il y a beaucoup de désert. Ouais, mais c'est moi qui voulais je voulais des couleurs chaudes. D'accord. C'est moi qui voulais. Au début, on avait fait une version un peu plus jeune. Ouais. Le fait que ça corresponde aux couleurs d'Halloween et que ça sorte au moment d'Halloween, c'est pas du tout voulu. C'est le destin, on va dire, qui a fait ça. Bah, écoute. Ouais, c'est vrai. Tant mieux. Ouais, le orange et le violet. Après, j'ai laissé Jack choisir ses coloris. Dès qu'il est arrivé sur l'orange, on était en mode c'est bon, ça c'est lourd. Au début, la couleur. Super. Si je peux me permettre, ça partait un peu sur un soleil japonais au début. Hein, ouais. Toute première cover, c'était bleu. Avec bleu. Un soleil japonais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, bah, ouais, c'est parti loin là. On a changé en jaune et après on a rajouté les éléments. Les choses se sont modifiées comme ça au fur et à mesure. Ah, effectivement, voilà. Ouais, c'est ce que je vois là, l'écran derrière toi, là, je le vois. Ouais. C'est vrai que ça a grave changé. Je sais pas si on voit bien, mais Jack il a tout travaillé parce que derrière il y a la tracklist et on a même fait un petit livret. Ah bien, j'ai pas fait gaffe. Avec des photos et tous les crédits. Donc en fait il y a tout un livret avec le thème. Ah trop bien. En fait il y a un petit peu une petite charte graphique qui est rigolote quoi. Ah génial. Ah franchement voilà. génial. Ah mais franchement vous êtes gavés les gars. Franchement pour. Merci. Ah mais bravo. Et niveau budget et tout, comment ça se passe? Parce que c'est important aussi de parler de ça. J'ai un studio. Voilà. Et donc toi en fait tu fais ton studio, mais c'est quoi? C'est chez toi ou c'est un studio à part? C'est chez mon frérot Babos que je big up. Ouais, cool. C'est le studio All Records. D'accord. Que je représente du coup avec Babos. Et donc on taffe avec beaucoup de monde, dont ouais. Jack Space, Akuma et tout que tu as vu. Et. Ah, c'était quoi la question? Ah oui, niveau des budgets, bah voilà, on n'est pas riche hein, non plus, on fait avec ce qu'on a. C'est sûr que le studio, vu que j'en ai un, bah tu payes pas grand, on paye rien quoi. Mais oui, c'est un avantage. Après, je big up, j'ai des frérots, mon gars Théo Morty m'a passé des CD vu qu'il les utilisait plus, donc on s'en est plutôt bien sorti. C'est cool. Après, voilà, on tire des affiches au Charlemagne de la Seine. Ah, et c'est la débrouille. Bah, oui, c'est comme moi, la débrouille aussi. Voilà. On fait ce qu'on peut aussi. Ouais. Pour le budget, là, tu sais, il y a toujours un peu des frais dans ce qu'on entreprend. Voilà, c'est ça. Voilà. Les clips et tout. Mais c'est pas. C'est largement. Après, c'est beaucoup d'investissement personnel aussi. C'est ça surtout. Ouais. Donc c'est du bénévolat tout ça. Là, pas tout ça aussi. C'est... Ben, on va dire plus. Pas bénévolat, plus indé, on va dire. Ouais, ok. Voilà. Ouais, parce que si on peut prendre un cachet, on le prendra. D'accord. Voilà. Par exemple, je gagne mon oseille. Moi, je suis transparent avec ça, avec le studio. Et je travaille aussi à La Franchie, sur Marseille, que je big up. Mmh. Et donc, en fait, voilà, je gagne mon oseille avec ça.
Et quand c'est sûr et certain que quand on décide de faire un album, même moi quand j'ai fait mon album solo, c'est sûr et certain que ça me grille du temps pour des sessions et des autres trucs qui pourraient me faire de l'oseille. Bien sûr. Mais là c'est la passion qui parle et l'envie de faire un album quoi. D'accord. Putain c'est dingue. Ah, voilà, mais voilà. Ça se voit que t'es passionné, hein, vous entendre parler tous les deux. La déjà, transmission du message, c'est ça surtout. C'est ça. D'accord, d'accord. Exact. Bon bah écoutez, c'est impeccable. Ben si vous voulez peut-être t'as le doudou, le clip que tu me parlais. Mais ça c'est un solo ça. Ouais, c'est un solo donc c'est ton clip à toi. Ouais. Et mais c'est donc c'est pas inclus dans l'album, c'est celui que t'avais avant, c'est bien ouais, ça. Ouais, ça c'était pour montrer un peu nos univers en solo parce que voilà, on se retrouve sur un album en commun mais c'est la première fois qu'on fait un projet en commun. Ouais. On a des univers solo, on bien a sûr. Fait de la musique en solo donc c'était bien pour sûr. Montrer un peu aux auditeurs de Radio Voltaïque. Ouais. Il y a un son de papier aussi. Bon, je suis dessus mais bon, il est considéré comme un solo de papier. Oui. Donc Doudou, ça fait partie d'un des sons de mon dernier album qui s'appelle Fils Unique, qui est ouais. disponible. D'accord. C'est un son que je kiffe, il y a âme sensible dessus. Et voilà, un son de bouillon, on appelle ça du bouillon. De bouillon, bouillon ouais, c'est ça. Ça s'appelle du bouillon. D'accord. D'accord. Et j'ai une question, ta passion, ça fait... c'est parti d'où en fait, cette passion-là, de vraiment te lancer bien dans la musique, de te dire je me lance. Moi j'ai commencé le rap à 14 ans. En fait, si tu veux, j'ai commencé en septembre 2005. Et en 2004, je sais plus, en mai de cette année-là, je faisais un concert à la scène avec des grands groupes tels que l'Infanterie et autres. Ah. On a commencé par les open mic, on allait beaucoup à la présentation et d'autres quartiers pour faire des open mic. Donc j'ai cash commencé en faisant des scènes. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a donné le virus, mais je crois que c'est un album d'Eminem. Et moi j'écoutais beaucoup de ragga ouais. dancehall. Et au bout d'un moment je sais pas j'ai dû vriller dans ma tête. J'ai dû avoir l'envie de faire un concert, je crois que c'est ça. J'ai dû me dire putain mais les gars on peut faire un concert. C'est parti de là. Et papy je sais pas. Bah nous on chantait les chansons des autres chanteurs. Bah ça faisait du bien de chanter. Ça met dans, je sais pas ça, on dirait que ça déclenche une endorphine de chanter. Je sais pas ce qui se passe mais ça fait vraiment du bien. Ça te détend. Ouais ça te sort des tripes quoi. Ah ça ouais te, ouais, puis ouais c'est... ça te prend dans les tripes. Ah hein. Des fois c'est même un petit challenge. Une petite performance sportive. Selon quelle musique tu fais aussi. Bien sûr. Et donc ça a commencé comme ça. Juste en aimant la musique. Tout simplement. C'est fou, en fait. Voilà. C'est et fou, puis en me disant j'aime le côté, il y a un côté esthétique dans la musique, ouais, je oui. trouve. Ouais. Et c'est important la musique. Tout, oui. tout le monde écoute la musique. Oui, on voilà. peut s'en passer de regarder la télé, mais la musique, c'est tu peux pas. Ouais, tu voilà. peux pas. T'es obligé d'avoir être la radio. T'es obligé de mettre quelque Exactement. Chose. Quitte à écouter même du Chéri FM, tant pis. Mais t'es tout de la musique. C'est donc, bien c'est très bien. Bah FM, ouais, c'est très bien. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. J'ai mais... bien vu la merde qu'il y a dans le rap français. Franchement, des fois, je préfère écouter Chéri FM. Alors là, on se rejoint là-dessus. C'est vrai qu'il y a certaines musiques. C'est ouais, on est d'accord je là-dessus. Je fais du rap, hein, les gars. Non, mais après, le rap, on peut critiquer aussi le rap. Attention, hein, voilà. Ah, c'est... Bah, ouais. Je critique en sachant de quoi je parle. En bien ce sûr. Moment, ça me parle pas de fou. Tout est, on va dire, tout pas critiquable. Je sais pas si ça se dit, mais. On peut tout critiquer, on peut tout relever, voilà, on peut parler de tout. C'est l'avantage d'être en France, tant en France que c'est ce la n'est liberté pas, d'expression. Voilà, et puis tant qu'on ne le fait pas dans l'amertume et... Ouais, c'est ça, la faut haine, pas dire lui c'est une merde, lui voilà, faut voilà, insulter, voilà, non, voilà, faut ton être... son travail peut-être ne te plaît pas, t'as le droit de le dire. Voilà. Voilà. Après, c'est le but d'ailleurs. C'est un avis. Bon, on a souvent relevé que j'avais des avis tranchants, bah alors, mais c'est comme ça. Mais moi c'est honnête, pourquoi être derrière, être voilà, on est d'accord. Et toi Noël, tu aurais une question, je vois que tu essayes de te... T'as quelque chose qui te vient, non, mais... Non, j'essaie de chercher si les personnes ont des questions, parce que moi j'ai posé un peu toutes les questions, donc s'il y a un auditeur qui a envie de poser des questions ou parler à Tiger Fokkers, n'hésitez pas, le numéro est affiché, et je pense que ça lui fera plaisir de même d'y répondre. Bah ouais, carrément. Bon là au pire, Tiger, ce que je propose, c'est que je vais balancer... Manu, dis-moi. Ouais. Alors moi j'ai une petite question, en fait, fin de question. Votre clipper, si on peut parler un petit peu de parce ouais, que si vous voulez qu'on l'emmène, il peut parler. Hein. Ben mais ouais, grave, mais grave. Il sait pas trop parler. Non, mais on va le mettre à l'aise. Evan. Parce qu'en fait, tout à l'heure, ils ont un petit peu clippé sur ouais. Sur un des sons qui est sur l'album. Ouais, carrément. Et en fait, ouais. Il nous a un petit peu montré le rendu et puis il nous a fait intervenir. Donc on est passé en tant que figurant. Bah ouais. Et on est très content. Et du coup, on a vu le clipper et il fait un taf de fou. Et voilà, donc vous voulez peut-être parler un petit peu de lui, comment vous avez connu cette personne, et puis voilà. Bah ouais, carrément. Evan, c'est moi qui l'ai connu dans l'équipe. Et au début, voilà, on rigolait, il faisait du rap au début, il faisait un peu des clips et tout. Bah, il va vous dire mieux que moi.
Et là, c'est vrai que on était en... là aujourd'hui, on était en tournage. On est en train de clipper les sons de l'album et ça fait un moment déjà que je taffe avec lui et que je suis content de son taf. Il est fou. J'ai vu des clips propres, surtout le dernier là où il y avait l'enfer et tout là. Bah ouais, c'est le clip d'Alcuma. Mais celui-là, il est mortel. Ça m'a rendu fou. Tu lui parles de diable et tout ça, il est dedans. Mais ça se voit, on dirait, ça se voit qu'il est déjanté. Allez, viens monsieur déjanté, viens à côté de moi. Surtout, j'aurais une question à te poser. Salut tout le monde. Salut à toi. J'aurais une question toute simple. Tu mesures combien? Je fais 1m93, c'est extrêmement grand. Oui, parce que là, il touche le plafond du camping-car. Alors, déjà... Ah mais oui, des fois, des portes de maison me dérangent parce qu'elles sont trop petites. Quoi. Donc, On va lui faire du sur-mesure la prochaine fois. Bah ouais, carrément. Je vais juste faire un petit trait, hop, que tu puisses passer la tête, comme ça, tu seras tranquille. Exactement. Donc présente-toi, bah écoute, n'hésite pas. Présente-toi. Bah écoutez, moi je m'appelle Tubeo Prod sur Instagram, je fais des clips, je fais aussi du cinéma depuis mes 8 ans, donc du coup à l'heure actuelle ça fait 12 ou 13 ans que je fais ça. D'accord, donc, cinéma c'est-à-dire c'est des petits courts-métrages, des trucs comme ça? J'ai fait des courts-métrages et aussi deux films, je suis en train de travailler sur mon troisième depuis 3 ans ou 4 ans, donc ça commence à faire long mais le scénario prend du temps, je l'ai réécrit 4 fois. Donc. Bah tu sais, il y a des grands films qui ont pris du temps aussi, genre Avatar et tout, c'est des années de tu vois ce que je veux dire. Donc, ah ouais, mais c'est plus la production Avatar, moi c'est plus l'écriture. Ouais, l'écriture. Maintenant c'est en train de se transformer un peu en série, mais j'ai trop de trucs. Bref, je fais des clips pour gagner ma vie. Donc, c'est bien, c'est cool. C'est cool. C'est le petit gagne-pain. Bah écoute, ça peut sans discrétion, tu t'en sors bien quand même. Tu arrives à te. Ça dépend les mois, mais. Ouais. Ça va, franchement, ce mois-ci, ça m'a conforté dans le fait que ça va très bien. Bon, tant mieux. En tout cas, je le vois toujours bosser. C'est une bonne chose. 7 jours sur 7, Mais je pense que tous les deux, on a peut-être moyen qu'on collabore sur certains trucs qui peut être intéressant. Plaisir. Comme je t'ai dit, Instagram, tu me contactes dessus. De toute façon, je vais te suivre, je connais ton compte. Donc, ça va, super. Je sais tout sur toi. Je peux rajouter quelque chose? Je t'en prie. Papy The Crow, voilà, une chose que je voulais faire aussi, qu'on voulait faire avec cet album Terminus Babylone, c'était de fédérer les personnes et de favoriser ce genre de situation là, d'échanger, de connaître de nouvelles personnes pour éventuellement engager de nouvelles. C'est cool. Voilà, à toi. D'accord. Mais c'est très bien, tu as des bonnes paroles, mon papy. Après, niveau matériel et tout ça, tu es full équipé. J'ai un peu parlé tout à l'heure à côté là, stabilisateur. J'ai un peu le nécessaire quoi, avec la caméra 4K, le stabilisateur, j'ai deux éclairages, voilà. Ouais. Mais après, je vise quand même plus haut d'essayer de me faire déjà une vraie équipe, d'être pas tout seul sur les trucs. Bien sûr. Et d'avoir pas mal de matos sur des films. Voilà. Bah écoute, moi si je peux mettre la main à la pâte pour t'aider à faire quoi que ce soit, écoute. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi j'adore, moi tout ce qui est clip, vidéo et tout, c'est mon truc. Tu passeras à la maison, on discutera de tout ça. Bah écoute, t'en fais pas. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bah là, t'es chez moi. Voilà, je découvre la maison qui est spacieuse et qui est pleine d'amour. On ressent tout ce que tu ressens pour la musique, cool. Tout ça, franchement. C'est gentil, juste. C'est top. C'est incroyable ce que vous faites. C'est gentil, merci à toi. On va dire tout ce qui est clip, film ou quoi, t'en as fait un métier? En fait, de base, j'ai commencé à faire mes films, mes courts-métrages, tout ça, de mon côté, pour justement m'amuser avec mes amis, tout ça. Et après, j'ai rencontré Tiger, du coup, que vous avez entendu avant, qui m'a orienté vers le clip, etc. Vu que je commençais à rapper, au début, je suis allé enregistrer chez lui. Après, il m'a dit, tiens, mais tu fais des clips, du coup, ça pourrait être utile pour des gens que moi, j'enregistre. Du coup, on s'est un peu relayé comme ça. Et j'ai commencé il y a 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Et ça évolue très bien, quoi. Franchement, c'est cool. Mais c'est bien collaborer comme ça, surtout en plus une collaboration région, quoi. C'est une équipe d'ici, c'est génial. Et tu fais des clips après pour d'autres chanteurs, enfin d'autres rappeurs ou quoi? Tu fais pas que du rap, tu fais aussi d'autres. Ah oui, non, je fais du rap, des films, des effets spéciaux, je fais un peu tout. Et oui, j'ai fait pour d'autres rappeurs. Il y a eu du coup Babos qui aurait dû être là ce soir mais qui n'a pas pu venir. Ouais. Il y a eu Xilar aussi, il y a Papy, je lui ai déjà fait des clips, Soleil 835 et. Comment il s'appelait? Ange. Un ange, voilà. Aussi. Un ange. Mais voilà, sur la 835, en plus, ce soir, c'est celui qu'ils ont diffusé ou qu'ils vont diffuser. Oui, ah bah voilà. On va le passer tout à l'heure. La référence est bonne, voilà. Ouais, on va la passer tout à l'heure. Et donc, c'est toi qui l'as monté, celui-là. Ouais, c'est moi qui l'ai filmé, qui l'ai monté, comme beaucoup de clips à Tiger depuis longtemps. Hein, Doudou, c'est toi qui l'as fait. Doudou aussi, c'est moi. Parce que j'ai bien aimé la transition où tu mets dans le pneu et hop, tu ressors. Ouais, c'était un peu improvisé. J'avais un plan de pneu, je voulais faire une transition. J'ai fait, allez, on fait dans le pneu. Non, mais c'est bien, c'est l'imagination aussi, ce que j'ai. Moi malheureusement j'ai plein de petits trucs qui me manquent, j'ai la technique mais j'ai pas trop l'imagination. C'est sûr que t'en as plein, tu es juste trop compliqué avec toi-même. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait veux que ce soit avec toi-même. Si ça c'est pas imaginatif, je sais pas ce qui est imaginatif en fait. J'aurais pas eu l'idée de faire ça et c'est la meilleure idée du monde de faire un camping-car comme ça, de se balader, d'aller chercher les artistes directement où ils sont. C'est un peu le but du c'est le principe de l'association, donc Radio Voltaïque. Hein, et donc
y a Manu, il y a Nono qui est là. Je sais que la dernière fois quelqu'un qui m'a touché, ah, je suis au courant. Ah, ça, il radote à Noël, il radote. Oui. Donc voilà, il y a Nono aussi. Et Manu, vous aurez peut-être des questions à lui poser, peut-être en relation et avec. En fait, on va un petit peu répondre aux auditeurs parce que ben, ils nous posent des questions et depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on est. Allez. Focalisé pour poser des questions. Ouais, et tout oui, ça. Bien sûr. Il y a une personne qui s'appelle Nektux et elle dit qu'en fait Tiger avait fait un clip là où elle habite. Ah. Donc Nektux, ouais. Tu peux nous dire un petit peu où c'était. Ouais, parce qu'on a plein de clips que j'ai fait avec Tiger. Ouais, ouais, Tiger apparemment a tourné à l'endroit où elle habitait en fait. Peut-être que tu la connais. Je sais ouais, pas. Elle va nous dire après. Bah, n'hésite et pas à appeler, comme ça au voilà. Moins tu pourras poser des questions. Je rebondis sur Nono ce qu'il dit. Donc n'hésitez pas à appeler au 07 45 48 94 19. Vous passez à l'antenne. Si vous avez des questions à poser à Papy ou à Tiger, ou ton blaze, c'est quoi ? Tubeo. Tubeo, voilà, vous venez en direct, vous posez les questions et puis ils vont vous répondre gentiment. Ce que. Ah. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, le téléphone est disponible. Donc, bon, j'espère que techniquement je vais réussir à tout gérer parce que là je gère le son, la vidéo, le téléphone en même temps, donc c'est un peu compliqué pour moi derrière. C'est sûr, mais, c'est hein tu es un poule. Ouais, c'est ça, j'ai que deux bras pourtant, mais j'essaie de tout faire à la fois. Est-ce que l'auditeur a eu réponse à sa question ? Non, apparemment pour l'instant, non. Ouais. C'est à propos d'un clip. Il avait tourné un de ses premiers clips chez moi. Ah. Donc, Nextous, si tu veux venir parler, appelle-nous. Et bah puis, oui, carrément. Peut-être que... Il y a le numéro qui est dispo hein, 07 45 48 94 19. Non, il te connaît à toi. Bah ouais. Peut-être une ex ou je sais pas, on sait jamais. Ça va faire une soirée. Sur la vie, j'assume tout. Ah ben voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. Genre par exemple, j'avais un auditeur tout à l'heure qui s'appelait Maxime qui voulait poser une question. Bah écoute, Maxime, si t'es disponible, appelle-nous, n'hésite pas. Voilà. Ils veulent parler à Tiger. Puis on va surtout rappeler aussi la sortie de l'album. Ouais. Papy, si tu peux nous en dire plus. Alors, à propos de la sortie de l'album, bah, comme on l'a annoncé, ça va se passer le 4 novembre 2022. D'accord. À l'issue, il y aura bien sûr la release, c'est-à-dire la sortie officielle prévue que nous allons fêter lors d'un événement showcase au Murato Café à la Seine-sur-Mer. On n'en a pas parlé. D'accord, super. On n'en a pas parlé, mais le 4 novembre, ouais, au Murato Café, à partir de 21h, on fait une soirée reggae dancehall. Voilà, on va chanter. Ensuite, il y a DJ Jivko qui sera là pour mettre du son jusqu'à la fin de la nuit. Vous pourrez boire, vous pourrez vous amuser, vous pourrez même manger. Ah et ouais. Surtout, écouter du bon son et oublier tous vos soucis de toute cette semaine. Ça, c'est cool, ça. Donc, quel genre de musique il va passer pour un petit peu dire reggae, dancehall. Alors, oui, là, ça va être le classique reggae dancehall, chata, dub, toute l'ambiance caribéenne, jamaïcaine. Exactement. Tout ce qu'on aime, quoi. En fait, on avait fait deux soirées comme ça pendant l'été, en mode sound system, pour tester un peu le concept. Donc, on en avait deux comme ça. Et du coup, vu que c'est cool et que ça passe bien, mais qu'on veut pas aussi faire ça tous les mois en mode ok, on n'est pas non plus des selectas. Enfin, on est des selectas, mais on n'est pas. Il y a des gars beaucoup plus installés que nous en termes de sound system et tout. En fait, on fait des soirées comme ça, dancehall, reggae, dès qu'il y a des événements. Et là, l'événement, c'est notre album, les gars. Donc, let's go, venez faire la fête avec nous. Et comment tu fais pour réussir à demander que tu participes? Je suis un harceleur de l'extrême. D'accord. J'ai fait des premières parties, des concerts cool, dont la première partie de Lorenzo à Sifour. Genre, j'ai fait Fefe, j'ai fait Black M avec mon gâteau Morty qui m'avait invité à Couleur Urbaine et tout. Alors, c'était sa première partie, c'était pas la mienne, mais du coup, on a eu l'occasion de faire des trucs. Et bon, là, le Murato, c'est quand même la. Il se trouve qu'on se connaît en fait avec le gars du Murato. Genre, quand je suis arrivé, il m'a dit: ah, mais t'es le gars de son star, de trucs et tout. Et on s'est retrouvés. Mais il y a des lieux, genre sur Marseille, même au bout d'un moment donné, on faisait des concerts sur Montpellier. Moi, j'envoie un mail, après j'appelle en mode: oh, je vous ai envoyé un mail, après j'appelle pour savoir. C'est des fois. C'est aléatoire. Quoi. C'est aléatoire, mais moi je force un peu quand même. D'accord. Parce que on n'a rien sans rien, quoi. Bah, voilà, t'as raison. Et puis je suis sûr de nous. Je suis sûr que si on vient sur scène dans ton endroit, tu vas avoir envie de nous rappeler. Bien sûr. J'en suis sûr. Alors là, Tiger, j'ai un auditeur pour toi, il s'appelle Maxime. Alors écoute, Maxime, salut. Alors, attends, deux petites secondes, excuse-moi, je réponds juste à Sylvie, la personne qui te connaît. Donc, Abandole, la maman de Thomas. Oh putain, grave, en plus. Thomas, je l'ai vu récemment, mais je crois qu'il m'a pas vu. Il travaille au casino de la Seine. Voilà. Big up à Thomas, big up Sylvie, big up au petit frère de Thomas aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Désolé, mais big up à toute la famille, l'équipe. Merci beaucoup. Putain, ça régale. Franchement, ça régale.
Ah, vous régalez, merci beaucoup. Plaisir, big up à tout le monde. Je vous embrasse fort. Le monde est petit. Bah ouais. Ah, ça régale. Bah tant mieux. En fait, c'est un gars qui a été dans l'entourage de mon groupe Fuckers pendant un moment donné. D'accord. Et pendant un moment donné, il est même dans mes clips et tout, Thomas. Ah cool. C'était un gars. Maintenant, on s'est un peu perdu de vue, mais je le big up fort. Ouais, c'est cool. Bah, peut-être qu'il a l'occasion de le revoir, pourquoi pas. Bien sûr. C'est peut-être l'occasion. Je sais qu'il est occasionnel de la scène. Ouais, voilà, impeccable. Il a qu'à venir au Murato Café. Voilà. Le 4 novembre à 21h. Yes, carrément. Alors là, Maxime, est-ce que tu nous entends? Allô? Parce qu'il y a un petit problème au niveau de la prise. Allô? Yes, allô? Ah, tu nous entends? Oui, on m'entend très bien. Ah, super. Donc, bah écoute, bah voilà. Hein, donc, toi, tu aurais une posée, une question à Tiger, c'est bien ça? Ouais, alors, désolé pour le petit grésillement, vous entendez? Vous entendez bien là? Vas-y, bien, Maxime, on t'entend. Ah, donc, déjà, bonjour à Mika, bonjour à tout le monde, l'équipe Voltaïque déjà. Salut. J'aurais une question par rapport à tes musiques. Donc, en fait, tu fais plutôt du rap reggae ou vraiment tu fais soit du rap, soit du reggae? En fait, de base, je fais soit du rap, soit du reggae. Et je t'avoue que là, j'ai vraiment envie de partir dans un délire plus dancehall, sans totalement, voilà, j'ai envie de créer un nouveau truc qui mélange le rap et le reggae, pour pouvoir faire les deux ensemble. Mais j'avoue que, en général, c'est où je tape dans le rap ou dans le reggae, parce que c'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes soirées, etc., etc. Ah ouais. Là, Justice, c'était reggae, mais après t'as pas d'autres. C'est où tu m'as dit que, enfin, dans les lives, t'avais dit que c'était un peu, c'était tronqué, c'est ça? Comment? J'ai pas bien compris la fin de ta phrase, frérot. C'est la musique que t'as dit que du coup c'était un peu plus hit. C'est trop fait. Ah, c'est trop fait, Yassai. Quoi, tu préfères les morceaux un peu hit comme ça, toi? Ouais, bah je l'ai pas écouté, mais je préfère un peu les musiques. J'avoue que du coup, moi je connais pas le reggae, donc c'est pas que j'aime pas. Ouais. Que, bah, je suis pas fan non plus du reggae parce que j'aime pas, je le connais pas. Ok. Mais c'est vrai que rap reggae. Ok, bah écoute. D'un côté, elle adore le reggae, donc. Ok, mais c'est sûr que le reggae, je te comprends, j'entends, et merci beaucoup pour ton avis. On passera Trophée, tu sais quoi? Parce que vu que t'es curieux et tout, c'est cool. Et ouais, Trophée, il est un peu plus dancehall pop, on va dire. Tu sais, voilà, c'est un mélange de dancehall et de pop. Ce sera un peu le single de l'album. Après, le reggae, j'aime bien, parce que j'écoute du reggae avec ma copine. C'est vrai que le reggae, j'aime bien, je connais le reggae. Mais c'est pas le reggae que je voulais dire, c'était le... Je sais pas si tu connais le mec, là, TikTok, qui fait du reggae, là. C'est très vrai reggae. C'est un peu Rasta. Alors franchement, je crois que... C'est Rasta, alors, un truc de malade, comme ça, là. Ok, je crois... Moi, je connais pas, mais les gars ont la ref. Mega Bowser, voilà. Ah ouais, ok. Je vois qui c'est. Tu vois c'est qui c'est? Moi, je connais Mega Bowser. Ok, moi, non. Mais papy, il connaît. Ouais, désolé pour les bugs, les gens, hein, c'est la connexion. Oui, là. Vas-y, réponds. Salut Maxime, je me permets de te répondre. Je suis aussi, c'est Papy The Crow, donc Terminus Babylone, voilà. Donc là, pour le concept, on n'avait pas vraiment voulu rentrer dans des catégories, comme on l'avait déjà expliqué. Donc c'est plus, on va pas dire familial, mais plus populaire. N'importe qui pourrait écouter cet album sans forcément se dire, bah, tiens, j'écoute du reggae ou du rap. Je sais pas si tu vois, tu vois. C'est voilà, ce n'est pas vraiment reggae, même dans l'esprit et tout. Voilà, il y a pas tous les codes du Rasta, tu vois, c'est plus quelque chose de, c'est un peu l'album du peuple en fait, j'ai envie de l'appeler comme ça. Voilà. L'album du peuple. Ouais. Après c'est vrai qu'il y a quand même au niveau des sonorités, ça reste quand même hip-hop, urbain, moderne, hein, voilà. Avec voilà. Donc je t'invite à découvrir ça et à donner ton avis. Toi, c'est quoi tes musiques? C'est quoi que tu écoutes, Maxime, qui te fait kiffer niveau musique? Niveau musique, moi, c'est plutôt des musiques un peu américaines, à basse, des musiques un peu des 2020, d'anciennes musiques aussi. Il y a beaucoup de rap aussi. Okay. Ouais, des musiques boom boom, quoi. Rap, ça va lui plaire. Mais ça... Y a pas de... Du rap simple. Je pense que ça va te plaire, rassure-toi, moi je suis un mec qui écoute du rap hardcore, je suis fan de Dre, de Snoop, de tout ça. Ah ouais, ah, j'aime bien. Je suis un mec qui est fan de rap hardcore, mais c'est pas ce qu'on a proposé ici. Mais j'ai un album qui s'appelle Fils Unique, que peut-être qui peut te parler niveau du rap. Ouais. Donc merci en tout cas, je te conseille d'écouter. Bah écoute. Nous tout à l'heure, on va. Donc, c'est lequel, Maxime, que tu voulais écouter? C'est Trophée, c'est ça? Trophée, c'est ça, ouais. Trophée, bah écoutez. Du coup, j'avais Trophée, mais j'avais envie de l'écouter parce que du coup, j'avais un peu toutes les emblèmes, on va dire, que j'aimais bien. Bien sûr, oui. On va en parler, donc. Bien sûr. Bah, bien écouter,
Bah écoute, trophée, bah, on va le lancer tout à l'heure et comme ça au moins tu pourras tous l'écouter. Et bien sûr avec ton autorisation d'ailleurs, parce que c'est comme votre album, hein, vous deux, papy. Tous les sons qu'on t'a envoyés, tu peux les diffuser. Ouais, bon ça va. Mais après je les diffuserai réellement dans la radio après la sortie. Parce que je vais pas le faire avant. Mais en gros, je suis en train de te dire que tous ceux qu'on a envoyés, c'est ceux qu'on t'autorise à diffuser. Bon, allez, c'est cool. Bien évidemment. C'est cool. Bah écoutez, on va faire une petite pause et on va régler 2-3 problèmes techniques là, parce que c'est des réseaux qui a du mal un peu ce soir. Parce que dès qu'on arrive un peu le soir, tout de suite le réseau plante un peu. Mais c'est la scène, c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle. Bah écoutez, voilà, je vais vous mettre Babylone. Et bah écoutez, bonne écoute à tous et on revient. On est trop fait là? Hein? Trophée, pardon. Oh là là. Ouais, terrible. Merci Maxime en tout cas pour. Ouais, merci ton à toi Maxime. Merci à toi. Maxime, salut. À bientôt. Allez, bonne écoute, merci. Salut Maxime, bye bye. Salut. Bah voilà, tu vois, un petit auditeur, c'est cool. Bon, écoutez, trophée, on va vous le mettre. Allez, c'est parti. Boum! Terminus Babylone le 4 novembre, let's go. On fait ça papa, c'est pas pour les trophées. Quand ça parle et nous jalouse, on est refait. Man, je vais pas la sieste, mais c'est vrai, souvent les frères sont là, ils m'assistent. Man, je vais pas la sieste, mais c'est vrai, souvent les frères sont là, ils m'assistent. Faut le reconnaître, ne peut avancer s'il n'a pas d'équipe. Alors pour être honnête, mieux vaut se rendre utile au lieu de raconter des sornettes. Agir c'est mieux que de parler dans le vide. J'ai croisé des tas de gens dans ma vie qui cherchaient là où l'air était beaucoup plus pur. Je les ai jamais vus vaciller. Je les ai jamais vus vaciller. On fait ça papa, c'est pas pour les trophées. On va pas baisser les bras dans nos projets. Quand ça parle et nous jalouse, on est refait. J'ai fait un vœu ce soir, il va s'exaucer. J'fais ma vie dans toute cette jungle en désordre. J'suis le king, je rêve qu'on m'appelle Lord. J'fais ma vie dans toute cette jungle en désordre. J'suis le king, je rêve qu'on m'appelle Lord. Et si l'enfer c'était les autres? Je rêve qu'on m'appelle Lord. Et si l'enfer c'était les autres? Ok, sweet love, c'était pas toujours ça dans la zone, y'a les petits là. Toujours plus attiré par les sommes, il faut qu'on vive. Parfois le truc dans la vie qui te passionne, c'est ça la real life. Pose les armes à terre, jeune ghetto youth. T'as du succès, plus ça t'attire des problèmes. Y'en a qui te font des croche-pattes pour ralentir tes projets. Faut être number one, pas d'élimination. Ramasse le trophée, va dans la good direction. Fais le taf again. J'ai croisé des tas de gens dans ma vie qui cherchaient là où l'air était beaucoup plus pur. Je les ai jamais vus vaciller. Je les ai jamais vus vaciller. On fait ça papa, c'est pas pour les trophées. On va pas baisser les bras dans nos projets. Quand ça parle et nous jalouse, on est refait. Si j'ai fait un vœu ce soir, il va s'exaucer. J'fais ma vie dans toute cette jungle en désordre. J'suis le king, je rêve qu'on m'appelle Lord. J'fais ma vie dans toute cette jungle en désordre. J'suis le king, je rêve qu'on m'appelle Lord. Et si l'enfer c'était les autres? Et si l'enfer c'était les autres? Je rêve qu'on m'appelle Lord. J'ai croisé des tas de gens dans ma vie qui cherchaient là où l'air était beaucoup plus pur. Je les ai jamais vus vaciller. Non, je les ai jamais vus vaciller. On fait ça papa, c'est pas pour les trophées. On va pas baisser les bras dans nos projets. Quand ça parle et nous jalouse, on est refait. J'ai fait un vœu ce soir, il va s'exaucer. J'fais ma vie dans toute cette jungle en désordre. J'suis le king, je rêve qu'on m'appelle Lord. J'fais ma vie dans toute cette jungle en désordre. J'suis le king, je rêve qu'on m'appelle Lord. Et si l'enfer c'était les autres? Je rêve qu'on m'appelle Lord. Et si l'enfer c'était les autres? Je rêve qu'on m'appelle Lord. Il y a eu quelques petites mauvaises manipulations malheureusement. La musique de fond était trop fort par rapport à ce qu'on disait, donc il y a des mots en fait qu'on n'entend quasiment pas. Donc j'en suis désolé, ouais, j'ai fait une mauvaise manip tout à l'heure en mettant la musique, c'est quand on est sorti tout ça. J'ai oublié de renclencher le petit... C'est pas grave. Donc voilà, donc on va revenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc par rapport au nombre de personnes qu'il y a et les anecdotes que vous avez dit aussi tout à l'heure par rapport au clip. Enfin par rapport aux musiques que vous avez fait tout à l'heure. Enfin que la musique que vous avez créée, mais ça a été comme ça au tac au tac on va dire. Que papy il a commencé en premier, pour toi t'as enchaîné derrière. Papy disait qu'on avait beaucoup de facilité sur l'album parce qu'on écoute beaucoup les mêmes musiques, on discute beaucoup de roots, de reggae, de culture et tout. Et c'est vrai que la justice sera faite, la première musique qu'on a passée,
On l'a fait en impro, on n'a rien écrit. On est allé tour à tour derrière le mic. Papy a commencé. Ça l'a beaucoup inspiré, la prod de Lil Ja. Et ensuite, j'ai continué. J'étais en mode. Papy, il avait fait un truc de fou. Donc, j'étais en mode. Comment je vais faire pour faire un truc derrière? Et je suis arrivé en mode chant. Et j'ai blindé ce que Papy avait fait. On a fait à peu près tout le track comme ça. Et c'est, pour moi, c'est une des sessions studio que je me rappelle le plus de cet album. Et Papy disait qu'il faisait très chaud. Ouais. Très chaud. Ouais. Un peu comme maintenant. C'est vrai que là, on est en mois d'octobre et il fait déjà une chaleur encore. C'est normal. C'est dingue. Parce qu'on sort notre album. Oui, c'est ça. C'est le feu. C'est le feu. Donc, désolé pour les gens de TikTok et Twitch également. Voilà, j'ai fait une mauvaise manipulation de ma part. Donc, ça ne se reproduira plus. Et merci en tout cas pour tous ceux qui m'ont signalé ce problème-là. C'est Manu qui m'a montré ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Petit message de Romain qui m'a signalé en fait. Ouais. En fait, Romain, c'est un modérateur très actif au du compte TikTok de la radio. En fait, il m'a envoyé un petit message sur le Facebook et en disant voilà, fais attention parce qu'on entend plus la musique en fond à peu près du micro que les paroles. Et merci beaucoup. Ouais, merci à toi, Romain. Romain, c'est vrai que big up à Romain parce que franchement, il fait un boulot derrière. Attention, C'est super, merci. Il répond aux gens quand nous on peut pas répondre, tout ça. Franchement, bravo. C'est magnifique. Ouais. Merci, Romain. C'est le Vush de ton équipe. C'est ça, c'est celui qui. Nous on a Vush et vous avez Romain. C'est ça, exactement. Bon bah écoute, je peux te proposer à la rigueur qu'on fasse ce petit freestyle là qu'on a parlé tout à l'heure. Enfin même voilà. Volontiers. En fait voilà, donc Manu et Nono ils vont s'éclipser de l'écran et ça va être les Tiger et Papy qui vont vous interpréter en fait un morceau en live. Donc il y aura pas la voix, rien du tout. Tout est en live, voilà. Donc on va laisser le temps de tout le monde sortir. Et une fois que c'est fait, ben je lance le live. Donc je mets lequel en premier? Je mets Ogoya, ça, Ogolal? Non, c'est quoi le nom? Arrête, on va s'énerver. Ah, j'aime pas, j'arrive pas, moi j'arrive pas à parler. Je rigole. Non, je t'en prie, on va mettre. Je cours après l'amour en premier et Ogyal. Et tu sais quoi? Gyal, pour l'anecdote, ça, c'est girl en fait. Mais girl. En patois jamaïcain. Ouais. D'accord. Tu peux l'appeler girl si tu veux donc. Girl. Oh girl, tu peux. Yes. Ok. Bon, bon ben. Je vais essayer de me lever. Ouais, règle comme tu veux. Est-ce qu'on peut le tourner? Alors attendez, je vais mettre mute en attendant que les. Qui mettent tout en place. Voilà. Donc par contre, le micro, voilà, tu connais, il faut bien le. C'est bon, t'es assis? C'est bon pour toi, c'est assis? Bon. Eh ouais, je pense que je vais organiser ça un petit peu mieux la prochaine fois. Ouais. Il faudrait que je mette un micro, tu sais, on mettra un micro à disposition ici, au bord. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va faire, on va rajouter deux micros en plus. Mais là, bon, ça, voilà, c'est... Budget, c'est un peu... Ne parle pas de budget, on s'en fout, t'inquiète. C'est ça. Bon, mais voilà, en tout cas, je vais mettre... Je cours après la mort. Et tout, mais bon, après, il faut mieux laisser les vannes filmer, je pense. Ouais, c'est. Oui. On va tourner un clip en direct pendant qu'on chante, c'est incroyable. Ouais, ça c'est cool ça. Donc là, je vais mettre l'iPhone en mode détection visage. Tac, normalement. Moi, je cours après là. Bon. Yes, I big up à Radio Voltaïque, c'est Papy the Crawl Inside Tiger. Téléphone. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, je vais vous lancer ça et hop. Allez, c'est parti. Alors, attendez. C'est bon les gars, vous êtes prêts? Prêt. Ouais, let's go. Allez. Let's go. Hey Radio Voltaïque, dis-moi après quand tu cours aisément. Yes I am. Tiger fuckers aisément. Papy the Crawl aisément. Let's go. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yebis. Moi je cours après l'amour. Go. Hey. Moi je cours après l'amour. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yebis. Moi je cours après l'amour. La merci. Moi je cours après l'amour. Si t'es pas trop du genre superficiel, j'ai plus de love sur le compte, mais j'ai du love dans mes veines. Yes, c'est que ta gueule est un anti-système. Je rallume la flamme devant les decks. Again. Quand je fais des choses, c'est pour de real. Le compte il est aride, mais j'ai pas de love dans la. Again. Chacun ses priorités, gueule. Laisse-moi gérer mes bails. Chez nous, ça court après les bonnes vibes. Hey, gueule, va avoir du sport. On va remonter le score. Dealer. On va battre tous les records. Oui. Tu vas me faire retrouver des couleurs. Je suis plus le même. D'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu verras, c'est le jour et la nuit. Le monde est à nous, oui. Les filles sont jolies, on brise les tabous. Hey. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yebis. Moi je cours après l'amour. Go. Moi je cours après l'amour. Again. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yebis.
moi je cours après l'amour. Fast and Furious, tel un bolide. Construire sa vie jarre sur du solide. Que tout se fasse très vite, je veux dire dans la minute. Quand il s'agit de monnaie, y'a pas d'amis, y'a que des putes. Partir à l'aventure et revenir bredouille. L'alcool, les filles, la weed nous dépouille. Jamais ne rouille pour les faits, moi difficile, t'es qu'est on se débrouille. Bad boy, arrête de courir après le temps, t'es pas prêt. Il faut encore des séances d'entraînement, t'es pas prêt. Good boy, si tu cours trop vite, t'as pas des billets ou des biches, tu vas retourner dans le réel à un moment. C'est vite fait, il suffira juste d'un peu de patience. Pour ouvrir ton cœur à la bonne personne. Bah oui. Entre amour et oseille, mon cœur balance. Tous les jours, j'ai des grosses saisons pour enchaîner le changement. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yébis. Moi je cours après l'amour. Cours. Moi je cours après la Again. Tout le monde aime courir après les gros billets. Tout le monde aime courir après les yébis. Moi je cours après. Cours. Ça s'enchaîne derrière. Ça s'enchaîne. Pour le second track, pour toutes mes gars Linda. Pour toutes mes gars Linda sur Voltaïque. De France et de Navarre. Et de l'univers aussi. Ta gueule alchimiste, pas plus de trop. Toujours en quête dans ma vie de love. J'ai réuni toutes mes pensées sombres. On est dans le vide, ma belle, c'est certain. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. J'étais en vue sur la plus belle bombe. Ça sera le bordel dans quelques secondes. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Je regarde les vagues et dire qu'autant de choses nous séparent. Un soleil pâle, l'amour arrive et puis s'évade. Une belle histoire qui devient une bad love affaire. J'insiste pas, je pars sans regarder derrière. Dis-le ! L'amour, la haine n'ont jamais fait bon ménage. Jamais bon ménage. Bien des amants n'ont su tourner la page. La boule au ventre, j'attends que tu répondes à mes DM. Pour gratitude, je t'envoie mille fois des je t'aime. Toujours en quête dans ma vie de l'autre. J'ai réuni toutes mes pensées sombres. Tout mis en vie, ma belle, c'est certain. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. J'étais en vue sur la plus belle bombe. Ça sera le bordel dans quelques secondes. On est dans le vide, ma belle, c'est certain. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Ça fait oh gars, oh my lady. Oh gars, oh my baby. Oh gars. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Oh girl, oh my lady. Oh my baby. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Je suis fatigué par ce qui va me détruire. Donc c'est évident que je vais me caler avec cette fille. Tous les jours ma gueule s'enfaiblit. J'essaie de prouver que je suis meilleur, mais pour l'instant je suis sceptique. Et plus c'est dangereux, plus j'y vais. Un jour peut-être je vais me suicider. T'as souci du détail. J'ai souci d'inspecter toutes tes actions, les vérifier. Oh gars, doit y avoir le son trop tard. Tout part en vente jusqu'il est trop tard. Je suis pas prêt à passer à autre chose. Tu n'es pas prêt à aller voir un autre gars. L'amour, la haine n'ont jamais fait bon ménage. Jamais bon ménage. Bien des amants n'ont su tourner la page. Tourner la page. Boule au ventre, j'attends que tu répondes à mes DM. Pour gratitude, je t'envoie mille fois des je t'aime. Toujours en quête dans ma vie de love. J'ai réuni toutes mes pensées sombres. Tout est dans le vide, ma belle, c'est certain. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. J'étais en vue sur la plus belle bombe. Ça sera le bordel dans quelques secondes. Tout est dans le vide, ma belle, c'est certain. Tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Hey! Oh gars, oh my lady. Oh gars, oh my baby. Oh gars, tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Oh gars, oh my lady. Oh gars, oh my baby. Oh gars, tout part en vrille, ma belle, c'est certain. Désolé pour le texte, c'est les répètes. Ben oui, c'était parfait, bravo les gars, franchement. Bravo, bravo, c'était propre, bravo, j'ai kiffé moi. La dernière, celle-là, elle est propre par contre. Merci Mika. Celle-là, elle est vraiment bien. Franchement, moi j'aime bien celle-là. Elle est douce, tout à la fois. Franchement, j'aime bien moi. Moi je suis pas très doué tout ce qui est. Mais franchement, bravo les gars. Bravo, bravo. Alors les gars, les commentaires, ben tout du positif, hein. Super la musique et tout. En plus là, ça me fait un petit enregistrement en direct, donc c'était bien, non? Par contre, ce qui manque au niveau de mon installation, je pense que c'est un compresseur.
Et un autotune. Et un autotune, oh, ouais. Oh putain. La salle autotune, il y a moyen que je puisse travailler sur quelque chose. Mais par contre, le compresseur, ça c'est impératif qu'il faut que j'en ai un. Après, nous sur scène, on joue sans autotune. Ouais. Et on se débrouille à réadapter les morceaux. Ouais. On travaille beaucoup sur les tonas et tout. Ouais, c'est ouais, ce que ouais, j'ai, c'est ouais, ce que ouais, j'ai entendu tout à l'heure là. Ouais, ouais. Il y avait le petit retour derrière là, c'est sympa. Tu sais, quand t'as enchaîné, ça faisait oh gars, ça montait derrière. Voilà, tu sais, ça faisait. Ouais. Non, j'aime bien. C'est bon, propre. Après, vraiment, ça, c'est. Y a comme on sait que pas, bah, voilà, comme on sait que pas tout le temps, bah, y a des compresseurs disponibles ou de l'autotune. Bien sûr, ouais. Bah, on essaie d'être juste sur la tona. Ouais, ouais, c'est ça. Pour que le morceau soit beau, quoi. Ouais, ouais. Le plus beau possible. Pour moi, c'est important en studio. On a de l'autotune et tout. Moi, je me cache pas avec ça. On adore cet effet. Ouais. Mais bah, c'est après, important tout, de pouvoir. Ouais, grave. Mais c'est important de pouvoir rejouer en live les morceaux qu'on enregistre en studio. Tout à fait, c'est ouais. C'est ça le défi. Même si, ça, même s'il varie un peu. Exact. Bah, c'est toujours mieux d'avoir. Ouais, c'est bien, après, c'est ça change. Bien, ouais. Ouais. En tout cas, bravo, hein, c'était super propre. Cool, merci. Ah ouais, vraiment, bravo. Bah, ça, m'a rappelé un peu Radioactive, vite fait, rapide. Bah ouais, ah ouais. Big up à Radioactive, d'ailleurs. Ben, big oui, up, c'est à vrai, ouais. Un gros big up à Radioactive, que ça fait un moment qui font vivre aussi la musique locale. Hein. C'est ça, donc, c'est vrai. C'est ouais. Sympa. Ouais. C'est vrai. Bah, moi, je suis pas du tout dans leur plate-bande à eux, hein, qui se rassure là-dessus. Moi, je ne oui, suis pas là pour piocher sur leur plate-bande. Non, pas du tout. C'est un autre concept. Voilà, non, ouais, c'est ça. C'est le concept radio. Voilà. D'ailleurs, Tiger Fuckers lui-même, il a déjà. Je pense que c'est déjà produit plusieurs fois la Radioactive. Oui, je crois. Ouais. Depuis Sunstar, depuis mon premier groupe. Voilà, donc. Ouais, bon. Voilà. Puis je pense que eux ils ont pas trop non plus à avoir de soucis là-dessus parce que ils sont sur la bande FM. Oui, c'est pas voilà. Du tout le même budget que moi, hein. Ça ouais, n'a rien ouais, à voir. Ouais. Mais voilà, malgré les problèmes techniques et tout ça, malheureusement, bon après. Mais même, voilà, c'est. Je te coupe, mais tu étais présent aussi toi-même à Radioactive. Et tu es responsable de la vidéo et ça c'est incroyable parce que ouais. Sans toi il y aurait pas eu la vidéo. C'est vrai, ouais. On a fait tirer la vidéo, c'est terrible. Ah ouais, ouais, et d'ailleurs, vu. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de vues quand même. Il y a eu pas mal de vues et de retours sur ouais, cette vidéo. Ouais. Ah ouais, pas mal de retours. Ouais, ouais. C'est très très sympa. En ouais. Plus, c'est dommage parce que maintenant, là, l'iPhone que j'ai qui est branché ici, vous voyez là, en fait, il est connecté en sans fil. Là, vous voyez qu'il est branché, c'est pour la batterie. Ah oui. En réalité, je sors avec, je pars avec, je m'en vais dehors. Et tout est. Pense c'est vrai. Excuse-moi. Tout est. Tout, c'est pas grave. Tout est en. En plus, je vais même te caler avec. En plus, tout est en sans fil, tu vois. Donc, ça, c'est génial. Yes. Tu vois. Tout est en sans fil. En tout cas, je donne de la force à Radio Voltaïque parce que vous avez accueilli comme des rois, vous êtes déplacés. En fait, il faut pas oublier qu'on est dans un camping-car aménagé. Mm-hmm. Les gars se sont déplacés pour parler de notre album. Et c'est amené à évoluer, c'est le début, c'est la première année et certainement pas la dernière, je suis sûr non, et certain. Non, ouais, et merci beaucoup pour votre confiance, votre accueil, vraiment très c'est très gentil. Chaleureux. Ouais. C'est gentil à toi, je remercie, merci beaucoup pour ces belles paroles. Mmh. C'est vrai que après moi j'ai un gros soutien aussi avec les réseaux sociaux derrière, attention, hein, que ce soit Instagram, que ce soit surtout TikTok, c'est surtout la plateforme la plus importante pour moi. Et derrière il y a beaucoup de personnes qui croient en ce que je fais là et après... Après, pour expliquer un peu vite fait, moi je suis venu vraiment très très bas à la base. Moi j'étais dans ma voiture, j'ai vécu pendant plusieurs mois, plus que ça, dans ma voiture. Ensuite j'ai enchaîné McDo et en entre temps j'ai perdu du poids aussi. J'ai pesé 190 kilos, là j'en fais 110. Ah ouais. 105 à peu près, 105 entre 110. J'ai perdu. Tu peux en passer un peu parce que moi je suis en mode muscu là. Je t'en prie, tiens, je t'en ai encore un peu, tu vois. C'est même pas de la graisse en vrai, c'est juste de la peau qui est flex, tu vois. Donc là t'es fier de toi là d'avoir mené ton combat et d'avoir. Mais Manu aussi, pareil pour lui. Quelque chose, ouais. Ça, c'est cool. On a tous un combat à mener. Et c'est beau d'être fier des efforts qu'on fait et de réussir. C'est ça. Puis moi, en fait, moi, j'ai grandi dans la musique depuis tout petit. Comme le Bélix, il a baigné dedans. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai baigné dans la musique depuis tout petit. Pareil que je dormais à côté d'une enceinte qui crachait des watts. Et moi, j'étais en train de dormir. Quoi. Et toi, c'est quoi ton genre de musique que tu vas écouter? J'ai que pas de genre, en fait. J'aime bien tout. Oui, en fait, ouais. J'aime bien tout. N'importe quel auteur peut sortir une chanson qui va te plaire. Ouais, tu vas si j'écoute, ça me dit, putain, voilà. Ça sonne bien. Mais genre, ça là que tu viens d'interpréter, la dernière là, on s'appelle la dernière. Gal, il faut qu'on dise à Evan, il va falloir la clipper celle-là parce que les gens qui ont le CD, elle revient beaucoup au Gal. Oui, mais moi aussi, je l'aime bien ça. Non, aussi, ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Perso, elle est posée. Et d'un coup, ça elle est, oui, elle est posée et rythmée en même temps. C'est rythmée, c'est je sais pas. Rien que le truc, le refrain, j'aime bien. Ouais, le refrain, il est magnifique. Le refrain, il est bien. Pour revenir vite fait à ton parcours, on est dans le rap, c'est pas facile tous les jours et bien tout. Sûr, moi, ouais. Je me reconnais. Donc, t'as vécu des grosses galères et tout, t'es parti de R. Et là, tu fais que monter les étapes et tout. Et il faut prendre que le positif dans la vie. Ça veut dire que même nous, on est là. Il y a des. Pour moi, pour ma part, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je sais que. Nanana, je m'en fiche. Je prends que le positif. Aujourd'hui, on est là avec toi. Tu nous accueilles. On présente notre album. Et dans deux semaines,
Là, je pars en Ardèche demain. Dès que je reviens, une semaine après, je fais un concert avec mon pote Papy. Trop cool. Un concert à mon effigie pour la sortie de notre album. Et c'est incroyable. Et je prends que ça. Et je conseille à tout le monde de faire pareil. Ouais, c'est de ça. Prendre le positif et de tracer avec. Ah ouais, parce que moi, t'imagines si je m'arrêtais au tout négatif que j'avais sur les réseaux, c'est même pas la peine. Ah, j'avancerai jamais. Les réseaux, c'est notre vie. Voilà. Les réseaux, c'est fou. Je connais les réseaux. C'est notre vie. Ils te font vivre. Parce que moi, personnellement, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est les auditeurs qui font vivre la radio. Si c'est il n'y a pas l'auditeur, je suis rien moi, en fait derrière. Ouais. Voilà, c'est eux les acteurs, ouais. C'est eux le plus important. Moi après derrière je suis là, mais le plus important c'est les auditeurs. Donc merci en tout cas à tous les gens qui sont connectés sur les réseaux, donc sur TikTok et Twitch. Donc malheureusement il y a eu des déconnexions pas mal parce que on vous rediffusera ça. Tout sera diffusé, c'est ça, voilà, sur les réseaux, donc surtout sur YouTube. Donc tout après voilà, je sais pas si YouTube on me saoulait avec les droits d'auteur, j'en sais rien. Moi je paye la SACEM après. Donc, les droits d'auteur de nos sons, t'es tranquille, on a tous les droits. Voilà, sur là, tous les morceaux. C'est bien ce qui me semblait. Donc là-dessus ça, je serais tranquille, ça va. Parce que moi après je paye la SACEM pour la radio, c'est obligatoire. Tu sais, il y a des lois. Tu sais que j'ai toujours donc, pas. Moi je le dis à la radio, je m'en fiche. J'ai toujours pas la SACEM. Ça fait 17 ans que je rappe. Ah ouais. J'ai jamais inscrit. Bah tu vois comme quoi. Hein, je fais le dossier. Après fais-le, important. Après si on diffuse comme ça, tu vois, là par exemple tu aurais pu recevoir un petit cachet, tu vois. Ah ouais. Ah oui. Je sais. Techniquement, tu aurais pu recevoir quelque chose parce qu'en fait, la SACEM, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, en gros, je paye 120 euros pour l'année. C'est pas grand chose. Mais moi, petit, c'est rock grand. Et eux, ils payent par plateforme, c'est-à-dire qu'ils diffusent sur leur radio web, c'est 120 balles. Sur la FM, je crois que c'est même plus cher encore sur la FM. Je crois qu'il y a d'autres trucs encore derrière. Ah, mais dis pas tous les astuces, hein. Attends. Sinon, ils vont tous nous griller. Ah bah oui, mais surtout pour toi. Pour vous, c'est pour vous. Je sais, c'est important pour vous. Je rigole avec toi parce que je sais très bien en fait comment ça marche. Ouais, c'est juste que j'ai jamais eu la. J'ai toujours eu la flemme de faire ça. C'est casse-couille. Honnêtement. C'est vrai que c'est casse-couille. Mais je sais très bien, j'ai monté des dossiers de subvention et tout. Je veux plus jamais. Ah ouais, c'est dur, c'est dur, ouais, je connais. Donc, un jour. Mais quand on aura des trucs qui nous feront revenir. T'inquiète. Ouais, ouais. Quand on aura des trucs qui nous font vraiment revenir de l'argent, on ira se ranger. Voilà. Après, dans tous les cas. Pour l'instant, on est là, on diffuse notre musique. On pense pas vraiment à ça. On veut juste faire des concerts. Ouais, tu veux t'éclater. Quoi. Si tu viens voir Papy The Crow et Tiger sur scène, tu vas passer un bon moment, tu vas danser, tu vas t'amuser. C'est le seul truc qu'on veut faire. Ouais, tu veux t'éclater pour le moment et ça, on verra plus tard après. Ça. Mais bon, c'est important d'y penser quand même. Ben, merci, on va y penser. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, à moins que vous voulez peut-être chanter notre truc, je sais pas si quelque chose qui vous tag un petit peu, non, pas du tout. Ou on arrête là. Bah, juste, on va redire la date de la release de l'album et tout. Bien sûr, oui. Papy, je te laisse annoncer tout ça. Alors, n'oubliez pas, mes très chers auditeurs, fans et publics, disons les mots comme ils sont, on sait jamais. On sait jamais. Pour la sortie de l'album Terminus Babylon qui est prévue pour le 4 novembre 2022, donc c'est dans à peu près 12 jours, donc on espère que vous serez assidus au rendez-vous, on vous attend très très fort pour ce message, n'oubliez pas, c'est la grande bataille. La grande bataille et la grande fête, il y a juste un truc à dire qu'on n'a pas dit, c'est qu'on vous a laissé 3 albums à faire gagner au public. Ouais, c'est ça. Donc si vous voulez découvrir notre musique, faire gagner, je suis un ouf, moi je crois que vous les donnez. Oui, on les donne. Ouais. En gros, voilà, il y a 3 albums disponibles, c'est cadeau de la maison. C'est cool, et merci on vous à les toi. Offre pour c'est découvrir notre musique. Bah, c'est sûr, c'est gentil, voilà. Merci beaucoup, hein, merci à vous merci deux. Beaucoup Mika de Radio Voltaïque. Ben, voilà. Merci. Merci à toute l'équipe. À ton équipe, merci à Nono et... Et Manu! Là maintenant j'ai intégré les noms. Non, parce que moi j'ai un truc, c'est que j'intègre toujours les prénoms, soit la première fois, mais au bout de 3 fois, ouais. Comme le dit, c'est intégré définitivement. Moi j'intègre les blazes, mais pas les prénoms. Genre j'intègre facilement. Donc, merci beaucoup les auditeurs et on se dit à très bientôt. Vous avez toutes les infos maintenant. Papy The Crow sur Instagram ainsi que Tiger Fuckers, on est sur Instagram. C'est ça. Donc venez, n'hésitez pas à nous follow, même à nous parler, on attend que ça quoi. Exactement. Bon bah écoutez, bonne soirée à tout le monde. Merci en tout cas d'être venu ici, ça me fait plaisir. Merci à tous. Merci, merci, merci les gars. Allez, bonne soirée à tout le monde. Salut, bonne soirée.